Blue Science, petite rivière d'une douzaine de kilomètres, peuplée essentiellement de truites fario. Une gestion patrimoniale sur une grande partie du cours d'eau, mais qui a eu quelques alevinages en période. Il y a eu une période difficile où on a aleviné, mais dans l'ensemble, c'est une gestion patrimoniale jusqu'à l'embranchement avec le Var. Donc, c'est une rivière qui se jette dans le Var. Le Var, c'est le plus gros fleuve des Alpes-Maritimes. Il lui se jette à la mer, bien sûr. Elle prend sa source juste au-dessous, dans les pieds de Beuil et de Valberg. Salut Jean-Luc. Oh, ça va? Et toi? Écoute, ça va, ça va. Ça roule? Alors? Ça va, ça me jette. C'est vrai? Je commence juste là. Oh. Donc écoute. Ça dit quoi? Elle est loupée en dessous. Ouais. Elle a piqué, mais loupée au ferrage et c'est tout. Je viens d'attaquer là. C'est vrai? Coup dessous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas pêché. On va voir. Bah, c'est un beau ballon. Hein. Ah, il est beau, ouais. C'est un beau ballon. Belle petite rivière là. Ça fait 14 km. C'est pas très long, mais il y a de quoi s'amuser. Yeah, le décor. Ah le, le décor, il est quand même très beau. C'est le parfait stéréotype en fait de la rivière où on va vraiment s'amuser à pêcher en sèche. C'est une rivière qui s'y prête très bien avec des poissons déjà qui sont actifs une bonne partie de la journée. On va pêcher des postes très marqués, donc c'est la pêche en eau rapide par excellence, où on pêche des poissons en sèche sur des postes très marqués et on va pêcher l'eau et évoluer en fait dans ce grand canyon en fait qu'on compare ici nous à Niçois au petit Colorado. Ouais. Ça, c'est les thermomètres que l'on installe avec la fédération. C'est nos techniciens qui viennent, Romain, que tu connais bien, qui vient faire les relevés. En fait, ça nous sert surtout à faire des relevés des températures sur, étalées sur toute l'année pour voir l'évolution du cours d'eau. Et ce qui nous permet de voir si c'est vraiment un réchauffement climatique, si les eaux elles montent beaucoup et ça. Ça donne des infos. Ça nous donne énormément d'infos, ce qui nous permet de voir aussi si le milieu reste conforme, si les températures, surtout d'eau, restent conformes. Et vous faites ça depuis longtemps? Ah, maintenant, ça fait. On doit être dans la 17e ou 18e année qu'on fait ça. Oui, donc les données sont quand même. Vous avez quand même une énorme bande de données, quoi. Ben, au début, on en avait très peu. On avait quelques thermomètres par-ci, par-là. Maintenant, on en a rajouté. On est capable de faire bassin par bassin, d'avoir un suivi bassin par bassin, quoi. Donc, comment on arrive à être président d'une fédération de pêche? Tout d'abord, je suis allé à la pêche comme tout le monde, accompagné de mon père, qui m'a appris à pêcher au toc, au leurre. Et de fil en aiguille, à partir de 12-14 ans, j'ai appris à pêcher à la mouche parce que j'ai vu un gars pêcher à la mouche et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc je m'y suis mis à pêcher à la mouche et depuis, et ben voilà, je n'ai jamais arrêté. Après avoir été pêcheur, simple pêcheur, je suis devenu adhérent de l'association La Saumonée Vansoise puisque j'habite la commune de Vence et j'allais régulièrement accompagner mon père pour faire les lâchers, poser les boîtes d'hiver, faire les alevinages et bien sûr faire toutes les ouvertures de la pêche. En grandissant, je suis rentré au conseil d'administration de cette association, puis je suis devenu garde-pêche bénévole à partir d'une vingtaine d'années. Et j'ai donc surveillé cette rivière qui était la Cagne, puisque j'étais riverain de cette rivière, qui est aussi un amour de jeunesse, bien sûr. Voilà, donc, et à partir de là, et bien, une fois qu'on est au conseil d'administration, le président arrive à un certain âge et on me propose de prendre la présidence de la Saumonée Vansoise, ce que j'accepte pendant 3 mandats, donc j'ai été président et en même temps, quand on est président d'une association de pêche, et bien on assiste au conseil d'administration de la fédération. Et de fil en aiguille, je suis devenu donc membre du conseil d'administration de la fédération. Et par la suite, d'un concours de circonstances, on se retrouve président de la fédération. Voilà comment je suis devenu. Ce parcours démarre au bord de l'eau avec une canne et qui finit derrière un bureau avec un ordinateur. Mais je n'oublie pas non plus les moments comme aujourd'hui, parce que je me suis toujours dit, je veux bien aider, je veux bien être président de la fédération, mais il ne faudra pas m'enlever les jours de pêche. Malgré tout, je perds quelques jours de pêche pour me consacrer à la défense du milieu.
T'as touché ou pas? Ben là, je l'ai loupé. Ah, t'en as loupé une? Ouais. Ah merde. Elle est montée là vite. Elle est venue très vite et je l'ai loupé. Ah putain, je croyais que c'était un poisson, c'est la wow. Les plaisirs de la pêche. Vas-y, va faire le dessus. Oh, bravo. Bravo, bravo. Poisson. Là, on est sur une rivière, ben, on le voit, hein, je pense qu'on est sur une rivière extrêmement fonctionnelle, avec une densité de poissons qui, en plus de ça, est couplée à une, finalement des tailles moyennes en fait, qui sont plutôt très intéressantes pour ce type de cours d'eau, parce qu'on est souvent sur des poissons de plus de 20 cm, donc c'est assez amusant. Et c'est vrai que ça permet de vraiment découvrir la pêche en eau rapide par excellence, où on peut faire des poissons aussi bien à vue, au gobage et surtout par contre le plus souvent en pêchant l'eau, parce que malgré tout les truites se font très très discrètes et on le voit, on n'arrive jamais à réellement, enfin souvent on ne les devine pas dans les courants, donc c'est une pêche qui est vraiment très intéressante pour quelqu'un qui soit veut découvrir et progresser en pêche à la mouche, soit avoir en fait faire une autre technique de pêche, une autre approche avec une vraie pêche en eau rapide. Donc on va soit partir sur des petites cannes avec des imitations de, bah, par exemple, des parachutes, des mouches qui se voient très bien, ou avec des cannes un petit peu plus longues, comme moi j'ai eu l'occasion de pêcher, j'étais en 9 pieds 5 pour une meilleure maîtrise des dérives. Du coup, là, t'es parti sur quoi comme mouche? Ah, c'est un petit palmeur avec des petites ailes dessus, un peu de chevreuil. Et puis un indicateur, juste pour l'avoir un petit peu orange. Ah oui, ça va bien flotter, ça, en fait. Oui, et puis c'est des mouches qu'on trouve dans le commerce par trois. Il y a une certaine marque qui les vend. On devient feignant parce que avant, je faisais les mouches, mais maintenant... Je te l'ai pas dit, mais je les reconnais quand même. je me doute bien. Mais ça fonctionne très bien, donc pour pas s'embêter. Oui, pour les pêches en eau rapide, le poil creux et en plus voilà. Avec la petite tête en mousse là, du coup ça sonne vachement bien. Ouais. C'est parfait. C'est vrai que là, je pense que le science, on y vient pour la densité de poissons, pour la qualité de la pêche, mais on y vient aussi, c'est vrai que je pense que c'est une rivière qui est assez, assez atypique et presque unique en fait en France, parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu et rencontré d'autres rivières comme ça, dans ces énormes roches rouges, ces énormes gorges, en fait, qui sont très très encaissées, où on a soit des milieux un petit peu ouverts, mais sinon on évolue dans un endroit où généralement quand on descend, eh bien, il faut trouver un endroit pour remonter parce qu'on est quand même assez éloigné en fait, de la route. Et c'est vrai que c'est une rivière qu'il faut connaître. C'est une rivière aussi où, par exemple, moi, ça m'a fait plaisir, en plus de faire plaisir de partager
le Science, une partie de pêche sur le Science avec Jean-Luc. C'est une rivière que je préfère faire à deux, en fait, tout simplement par rapport à l'entraide et puis par rapport au fait qu'on est quand même sur des parcours assez sportifs. Love will carry all our days till we find another way. No one ever said it'd be.